Voilà, alors attention à vous, hein, parce qu'ils ne sont pas très adroits quand même dans leur pilotage, ne pas vous faire écraser les doigts de pied. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Thomas, Thomas, viens réclamer, regarde là-haut, t'as des supporters. Gestion de course, mais c'est pas facile. Et bon, j'avais un peu les mauvais souvenirs parce que avec Cédric, on était en tête au rallye de Dieppe et on a eu une crevaison à 2 km de l'arrivée, on a perdu le rallye bêtement. Donc on a toujours ça en tête, hein, y a rien à faire. Quand ça se produit, on a du mal à digérer. Bon, là, ça s'est bien passé, donc tant mieux. Et bon, Pierre et Julien n'ont rien lâché jusqu'au bout, donc il a fallu quand même, malgré qu'on gérait, maintenir un certain rythme. D'accord. Cédric, ouais. Oui, non, il y a zéro déception. On a fait un très très bon rallye. On est très content. On a vraiment passé une super journée. On a essayé de rouler le plus vite possible, essayer de mettre Eric un peu sous pression. Mais on avait aussi Thomas qui nous a pas lâché. Donc non, jusqu'à la fin, on a roulé et voilà. Vivement le 50e. Oui. Et puis vivement bientôt le rallye du Touquet, parce que là effectivement, vous allez retomber sur une autre adversité, mais vous allez retomber vraisemblablement sur Eric Branson, donc ça sera peut-être une sorte de revanche un petit peu décalée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que Eric soit quasiment tout le temps devant? C'est la différence entre la R5 et une WRC sur le sec dans des conditions dites normales. Oui, forcément, il y a un peu de tout ça. Après, Eric est quand même, voilà. Recordman des victoires à Deauville, donc bon, ça n'enlève rien sans résultat. Non, c'est sûr que voilà, la WRC, pour exploiter la puissance, je pense que c'est plus facile, mais bon, voilà, on a aussi des autos de nouvelle génération qui vont vite. Non, franchement, on peut que féliciter Eric et Cédric qui ont fait un super rallye. Et, bon, ben voilà, j'espère qu'on repartira un jour avec le numéro 1. Ben voilà, donc le 49e rallye de la Côte-Fleurie terminé, une deuxième place, une belle deuxième place. On est très très satisfait avec Julien, mon copilote, et toute mon équipe, que je remercie parce qu'on a vraiment une voiture au top. On a eu zéro souci, on a vraiment bien roulé tout le temps. Voilà, on a essayé de mettre la pression sur Eric, mais on avait aussi la pression derrière de Thomas Chauffret qui a bien roulé de nuit, qui nous a repris un peu de temps de nuit. Mais voilà, dans les deux boucles de ce matin, on a vraiment réussi à garder une marge. Donc on a vraiment roulé fort toute la journée. On a pris beaucoup de plaisir, les spéciales étaient très belles, il faisait un temps magnifique. Donc top, franchement, que du bonheur. Maintenant il faut que ça. Voilà, il faut que c'est. Il faut préparer le prochain rallye du Touquet dans 3 semaines. C'est une super préparation ici. Très très content de ce résultat et vivement la 50e édition. Alors, ce qui concerne les autres pilotes classés pour l'instant, du moins ce que j'en aperçois sur mon smartphone, eh bien, c'est Thomas. Thomas, la bise, voilà. Thomas, on s'était vu hier soir, on s'est revu ce matin. Tu étais là pour te faire plaisir, tu étais là pour prendre de l'expérience aussi, parce que tu es, entre guillemets, un jeune pilote. Même si en coéquipier, tu n'as plus d'expérience à acquérir. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé cette course. J'ai tenté un choix de pneu, ce matin, un peu audacieux, pour essayer de compenser les moins d'expérience que je me suis loupé. Donc ça nous a tout de suite mis en jeu. Et après, il a fallu faire surtout des kilomètres et des kilomètres pour comprendre la voiture, parce que c'est tellement vite sur le sec qu'on n'y est toujours pas au bout, on en est très très loin. Donc nous on est super satisfaits, on a une voiture exemplaire. À chaque fois qu'on roule avec Europe, de toute façon c'est parfait. C'était à nous de bosser et on s'est libéré vraiment que dans les deux dernières. Quoi. Donc moi je veux bien retourner, si j'ai envie de nous refaire une boucle, mais pas tenir Thomas. Là maintenant, tout de suite, ouais, c'est bon. Écoute, tu fais comme tu veux, mais à ta place, moi je lui demanderai pas, parce que là je pense que la réponse ça va être cinglante. Bon voilà, il est fatigué, tout le monde est fatigué, les bénévoles aussi, les commissaires, etc. Un mot sur le rallye, comment tu l'as sorti cette année, un parcours, on peut le dire, qui a plu sur certains points, qui a déplu sur d'autres, quel est ton sentiment? Franchement, moi, il m'a vraiment plu.
Jean-Mi le sait, mais ça fait du bien en fait d'avoir renouvelé un peu le parcours, même s'il y a des beaux qu'on connaît effectivement, mais quelque chose comme Blonville à l'envers, c'est vraiment bien, parce qu'on était vraiment, vraiment par cœur. La nouvelle, je sais qu'elle est beaucoup critiquée à Bonneville, mais elle est extraordinaire. Peu importe les voitures en fait, parce que souvent on entend avec les R5 et tout, ça passe pas. Effectivement, c'est très gros et on serre les fesses, mais c'est juste magnifique. Et Kelleville en version longue, c'est vraiment super. On a le temps d'y prendre du plaisir. Donc, super parcours, voilà, il y en a pour tout le monde. Enfin, je suis pas fan de Blonville, mais c'est une belle spéciale. Donc, c'est bien d'avoir changé. Et... il faut continuer avec un peu de changement comme ça. Il y a Jean-Michel qui... tour, ouais. Mais c'est celle que je connais mieux aussi, on a eu l'occasion de la faire par le passé. Et j'y suis même venu quand j'étais gamin alors qu'elle n'existait pas en course. Donc c'était plus facile de faire le fou. Non, oui, normalement. Non. C'était plus facile de se lâcher là-dedans en connaissant vraiment où mettre les roues. Qu'est-ce que tu as pu ressentir en les tomber? On sera champion. Ouais, c'est ça, enfin quoi. Bon, on en a fait qu'un déjà, parce que les copains ils nous ont pas attendu. Même dans la dernière, Pierre il est un peu pénible, il a remis un peu les pendules à l'heure. Ouais, comme dit Pauline, enfin. Et puis surtout, on a envie de rerouler parce qu'on est un peu frustré du coup. Bah oui, le début de la soirée, journée très très compliquée. Si peu. Hier soir, belle réussite. Aujourd'hui, ça a démarré, bon, on a une force et d'autres assez importante. Le copilote et le pilote sont à l'hôpital, mais rien de bien grave. Enfin, bien grave, il y a quand même une petite fracture du bassin pour le copilote ou le pilote, parce que je ne sais même pas. Et sans quoi, la journée très très difficile. On savait qu'avec le temps, ça serait difficile parce que les voitures vont beaucoup plus vite. Et c'est là qu'il y a le plus de sorties de route. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sorties de route. Mais un beau rallye, un beau podium et belle bagarre toute la journée. Donc on finit, ça va finir vers la dernière spéciale à minuit, aux limites de l'arrêt des trafics parallèles, puisque les voitures sont encore dans la spéciale. Donc bravo aux pilotes aujourd'hui, mais j'ai passé la journée au PC Course, je crois que je ne recommencerai pas. Je peux vous dire que pour...